Bonsoir à tous et bienvenue. Il est à peu près l'heure de démarrer cette cinquième et dernière soirée conférence. Donc, vous savez que nous avons dû faire tout ça en visio puisque la fête prévue pour ce week-end a été annulée pour des raisons sanitaires. Bien sûr, tout le monde est au courant. On espère encore qu'elle puisse se dérouler fin juin. On vous donnera des précisions quand on aura arrêté une date, si toujours en fonction des conditions sanitaires. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir Gérard Boineau, c'est un homme qui a une grosse expérience, qui a eu une vie très riche et qui connaît bien le domaine agricole, puisqu'il a été lui-même exploitant agricole, d'abord en conventionnel. Lui dirait plutôt en chimique, je crois. Enfin, c'est plutôt. Voilà, il faudra s'entendre sur les termes. Et puis après, il a réussi à passer en bio. Ce n'était pas une mince affaire. Ça lui a pris plusieurs années. Il a été. Ben, je ne sais pas, je ne vais peut-être pas le présenter toute sa vie parce qu'on va y passer la soirée, peut-être. Je vais peut-être lui laisser plutôt la parole. Si tu veux te présenter, Gérard. Bon, Ah. bonjour à vous tous. Donc, donc je suis paysan dans le département de l'Ain. Alors oui, comme j'ai l'habitude de dire, je suis passé du statut d'exploitant agricole au statut de paysan. Alors, quelle différence je mets déjà derrière les mots, parce que les mots ont toute leur importance. Ce que je mets derrière les mots, c'est-à-dire exploitant agricole, dans le mot exploitant agricole ou l'exploitation agricole, il y a le mot exploiter. J'exploite la terre. Vous imaginez un petit peu que ça peut représenter derrière. On est loin de la Pachamama, de la terre-mère, quand on dit qu'on est un exploitant agricole. Et j'ai basculé à un moment de ma vie, hein, suite à des problèmes, un empoisonnement chimique. J'ai basculé et je suis devenu un paysan. Alors un paysan, ça n'a rien changé à la MSA, bien évidemment, hein. Ça n'a absolument rien changé. Mais ce qui a changé pour moi, c'était déjà c'était dans ma tête, hein, parce qu'un paysan, c'est quelqu'un qui naît, qui vit, qui travaille et qui meurt au pays, hein, mais qui connaît toute la biodiversité de sa ferme. Pourquoi on a parlé dans les années, fin des années 50, début des années 60, on n'a plus parlé de ferme, on s'est mis à parler d'exploitation agricole. Hein? Et tout ça, quand j'ai pris conscience de tout ce qui était derrière, eh bien, je me suis dit, ouh là là, c'est que on est en train de nous entraîner dans des choses qui sont insupportables quelque part. Donc vraiment, je suis parti. Et c'est ce qui m'a motivé par la suite. Hein, bon, certes, le fait d'avoir été empoisonné, ça mériterait une soirée complète pour que je vous explique tout le combat que j'ai été amené à faire suite à cet empoisonnement et la maladie et les maladies qui s'en sont suivies. Mais aujourd'hui, on va se contenter de parler de la Déclaration des droits des paysans. Alors, c'est pour ça que je reviens à la Déclaration des droits des paysans. Ah oui, alors, je vois qu'apparaît une photo, la photo d'un livre que j'ai écrit, parce que c'est vrai que j'avais peu de temps ces derniers temps. Parce que je faisais 60 réunions, enfin conférences par an à travers la France depuis que je suis à la retraite. Et puis chaque fois que je faisais une conférence, on me disait ben il faut comment dire il faut écrire ton livre. Et là, avec le confinement qui est arrivé, eh bien oui j'ai pris le temps d'écrire un livre. Bon, je l'ai intitulé Le berger des mésanges bleus, tout simplement parce que j'avais fait une conférence un coup à Draguignan et la journaliste de Var Matin avait titré On a reçu les colibris, puisque c'était les colibris qui m'invitaient de Draguignan, les colibris ont reçu le berger des mésanges bleus.
Oh, j'ai dit ça va faire le titre de mon livre si un jour j'en écris un. Hein. Et ben voilà, ça y est, il est écrit, il n'est encore pas sorti, hein, il est à l'éditeur aujourd'hui, mais ça ne saurait tarder. Hein. C'est l'affaire d'un mois et il sera. Voilà. Donc voilà. Je vais revenir maintenant sur la Déclaration des droits des paysans. Alors, c'est vrai que je suis consultant au Conseil des droits de l'homme à l'ONU, à Genève, depuis 1984. Alors, ça remonte déjà à longtemps, parce que de 1976 à 1984, j'étais au comité national du CMR. Du CMR. CMR, c'est Chrétien Monde Rural. Et ce mouvement, il y a une branche internationale qui est la FIMAC, la Fédération internationale des mouvements d'adultes ruraux catholiques, qui sont présents dans énormément de pays. Hein, je crois que c'est 122 pays à travers le monde, hein, où on est présent. On a un droit consultatif au Conseil et on a un droit consultatif au Conseil des droits de l'homme. Oui, la FIMARC représente à peu près 50 millions d'adhérents à travers le monde, ce qui est énorme, hein, énorme. Et comme on a un statut consultatif au Conseil des droits de l'homme, on en a un aussi à la FAO à Rome, on en a un à l'UNESCO à Paris, on en a, enfin bref, on est représentatif, on est une ONG représentative. Donc la FIMARC, comme j'avais fini mon mandat, eh bien ils m'ont demandé si je voulais pas les représenter à Genève. Alors pendant beaucoup d'années, eh bien notre travail était dans un premier temps de dénoncer. Dans ces instances au Salon Doré, hein, qui n'est pas nos habitudes, nous les paysans, d'être entendus dans ces instances-là, mon travail était de dénoncer chaque fois que je savais qu'il y avait des violations des droits de l'homme à travers la planète, hein, dans des pays, on y dénonçait aux Nations Unies. C'est une chose que on a pu faire relativement. Alors, il y a eu plusieurs cas. Les premières années que j'étais présent, eh bien, on donnait la parole aux paysans qui étaient violés, dans leur intégrité, et je me rappellerai toujours les femmes de la place de Mai qui manifestaient en Argentine sur la place de Mai régulièrement pour réclamer tous leurs disparus, hein, et c'était des femmes de paysans. Et on leur a donné notre temps de parole. Hein, c'est-à-dire on les a accompagnés, on leur a donné notre temps de parole. Là, la presse internationale était présente et ça, c'était très, très intéressant parce que, elles ont pu s'exprimer. Et c'est à partir de ce moment-là qu'au niveau international, le mouvement des femmes de la place de Mai s'est connu, hein, a été connu. Hein, et d'ailleurs, ce qui est le lendemain, je reçois un coup de téléphone, c'était l'Élysée, c'était François Mitterrand qui me téléphonait en me disant, il faut pas qu'elle reparte sans qu'elle passe. Quand je l'ai ramené à Paris à prendre l'avion, eh bien, on est passé par l'Élysée, on y est resté quoi, 3 quarts d'heure à peu près, mais la presse était là, et c'est à partir de ce moment-là où tout le mouvement de la place de Mai, des femmes de la place de Mai, a été connu à travers, pour le gouvernement argentin, ben, c'était une épine dans leur pied, quoi. Ils étaient obligés de se justifier, mais à l'époque, c'était un gouvernement dictatorial, malgré tout, voilà. Et on a eu, alors là, on était super contents de nous, on avait fait un super boulot, hein. Et alors après, on s'est dit, on va donner la parole aux paysans. Alors ça s'est produit une fois, deux fois. Et puis, et un jour, eh ben, on fait venir une sœur qui s'occupait des paysans. C'était dans le Nicaragua, du Nicaragua. Elle est venue, elle a expliqué tout ça. Sauf quand elle est rentrée chez elle, eh ben, elle a disparu. Ah oui,
Alors, parce qu'il faut être suffisamment précis pour être crédible et suffisamment flou pour pas mettre en danger la vie des paysans sur lesquels on dénonce les choses. Ça, c'était pour nous, ça a été très très dur à vivre. Elle a disparu. Et alors après, on s'est dit, ben, on va faire venir un avocat. Alors c'était en Indonésie, hein, il y avait des violations de paysans en Indonésie. Donc on fait pas venir les paysans, mais on fait venir leur avocat qui les défendait. Et même cause, mêmes effets, l'avocat a aussi disparu. Donc à partir de ce moment-là, on n'a plus fait intervenir à notre place les témoins. On leur a simplement, on travaillait avec eux pour être suffisamment précis, tout en étant suffisamment flou pour qu'ils ne soient pas retrouvés eux-mêmes. Hein? Et la parole, c'est nous qui la prenons à leur place. Hein? Voilà, ça c'était le gros du travail qu'on faisait, hein? Avec tout un travail aussi qu'on a mené sur le droit à l'alimentation, parce que grosso modo, sur les plus de 800 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim actuellement, eh bien, il y a 80%, c'est des paysans. Comme par hasard, hein, c'est le cornemuseux toujours le plus mal chaussé, eh bien, c'est les paysans qui sont les plus victimes de la faim dans le monde. Donc, et des personnes travaillant en milieu rural, hein, parce que des fois, les gens, ils sont persuadés qu'ils sont des paysans, mais ils sont des paysans sans terre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des paysans, hein, ils sont des personnes travaillant en zone rurale. Hein, et ça, c'est aussi, d'ailleurs, la déclaration des droits des paysans, c'est la définition et des autres personnes travaillant en zone rurale. Hein? Voilà, ça fait bien partie des choses qui sont très claires. Donc, le travail a commencé en 1995, grosso modo, où un paysan indonésien, à force d'être bafoué dans leurs droits, il nous fait, il y a bien une déclaration des droits de l'enfant, pourquoi il n'y aurait pas une déclaration des droits des paysans? Ça nous revient aux oreilles, nous, jusqu'à nous. Alors il y a eu aussi Via Campesina qui s'est beaucoup investi. Via Campesina, c'est la voix des paysans. Hein? Et en France, pour ceux qui ne connaissent pas Via Campesina, le mouvement français de Via Campesina, c'est la Confédération paysanne, tout simplement. En parenthèse, où j'ai été quand même secrétaire général de la Confédération paysanne Rhône-Alpes et membre du comité national pendant une dizaine d'années, pendant que j'étais encore en activité. J'ai arrêté le jour où j'ai pris la retraite, puisque hein, c'était plus, j'avais plus ma place en tant que paysan, que représentant syndical. C'est normal que ce soit les autres, ceux qui sont en activité qui assure ces mandats-là. Pour en revenir à la déclaration des droits des paysans, ben voilà. Hein. Alors, avant de revenir à la déclaration, c'est vrai que moi, j'étais là, on a suivi tout ça. Et puis, ben, comme on avait une voix à l'ONU, on a essayé d'en parler. Via Campesina n'a pas de statut consultatif à l'ONU. Donc, il a fallu travailler avec les ambassadeurs. Est-ce que ça sera possible? Alors, ça a mis un certain nombre d'années. Hein. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, eh bien, on est arrivé à faire créer une commission pour travailler sur cette déclaration des droits des paysans. Cette commission, bien sûr, elle est toujours menée. Quand c'est une commission, elle est toujours menée par des ambassadeurs avec un président. Et on a eu la chance de tomber sur une femme extraordinaire qui était ambassadrice de Bolivie aux Nations Unies, qui nous a complètement écoutés et qui a lancé l'affaire. Hein, et on a travaillé avec cette femme assez main dans la main, hein, elle est ambassadrice de Bolivie. Pour arriver aujourd'hui à avoir
la déclaration qui a été votée le 17 décembre 2018. C'est une fierté, hein, on peut dire que c'est une fierté parce que tout ce combat qu'on a été amené à faire pour pouvoir y faire accepter, alors un certain nombre de pays, eh ben, ils étaient assez, qui nous soutenaient, et puis il y avait des pays qui étaient franchement hostiles, dont le nôtre, la France, le pays des droits de l'homme. J'en veux énormément à nos gouvernements, hein, puisque depuis qu'on mène le combat sous Sarkozy, sous Hollande ou sous Macron, on n'est pas arrivé à les faire plier. Ils ne voulaient pas entendre parler. Alors, leur réponse était toujours, on peut pas accepter une déclaration des droits des paysans. Hein. Les paysans, c'est péjoratif. Le mot paysan est péjoratif, donc il faut qu'on change de nom. Alors, ils nous ont embêtés pendant un certain nombre d'années, en disant on veut pas ça, on veut pas ça. Et puis, mais on savait très bien que c'était pas pour ça. Hein. Surtout que le mot paysan, certes en France, pour certains, et pendant un certain nombre d'années, a été un peu péjoratif, hein, c'est-à-dire qu'on se sentait un peu, voilà. À travers le monde, quand vous parlez en espagnol ou portugais, eh bien, c'est campesinos, les campesinos, donc voilà, c'est les paysans. Quand vous parlez en anglais, eh bien, c'est les farmers. Et c'est pas des exploitants agricoles, vous voyez, c'est pas la même chose. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est battu. On s'est battu, et on s'est aperçu très vite quand même que les États-Unis, le Canada, les Européens, le Japon, Israël, faisaient barrage. Et pourquoi il faisait barrage? Eh bien, tout simplement, hein, mais c'est notre fameux article 19, hein, sur le droit à la semence. Hein. Et ça, on ne voulait pas lâcher, hein, parce que si on lâchait là-dessus, eh bien, le mouvement n'aurait plus lieu d'être. Enfin, disons, cette déclaration aurait été vide de sens, si on n'avait pas pu intégrer le droit à la semence. Et là, vraiment, il y a eu une bagarre énorme, énorme. Pour en finir, au moment du vote, eh bien, la France s'est abstenue. Alors, pourquoi la France s'est abstenue et qu'elle n'a pas voté contre? Parce qu'ils ont voté contre pendant tout le temps de préparation. Parce que chaque année, la commission qui travaillait, elle devait demander l'autorisation par un vote de toutes les nations pour pouvoir continuer le travail. Hein? C'était non mais c'est hein, il faut se les farcir hein? Et toutes ces années ben la France tout ça votait contre et au moment final eh ben ils n'ont fait que s'abstenir mais ça a été un concours de circonstances inouï même pas un mois avant 3 semaines avant Nicolas Hulot a démissionné de ministre de l'Environnement. Et ben, ça faisait beaucoup, quoi. S'ils avaient encore mis un nom sur la déclaration des droits des paysans, voilà, ça aurait été énorme. Hein. Du coup, ils sont. Hein, et là, récemment, j'ai pu avoir le nouveau ministre de l'Agriculture. Avoir une réponse pourquoi ils se sont abstenus. Donc, et là, clairement, dans la réponse, hein, parce que j'ai fait envoyer une lettre par l'intermédiaire d'une sénatrice, parce que nous, on ne peut pas les interpeller directement, c'est toujours compliqué. Donc, la sénatrice a envoyé une question écrite et elle a eu la réponse 3 4 mois après. Et là, et ben, c'était très clair. Hein, pour eux, cette déclaration des droits des paysans, c'est une déclara ça amène des droits nouveaux et qu'ils ne veulent pas entendre parler de droits nouveaux. Hein. Et notamment le droit à la semence, le droit de ressemer soi-même, de s'échanger, de se vendre des semences entre paysans.
eh bien, ça, ils ne veulent pas l'entendre parler. Et ça, pour nous, c'était indispensable, ce droit à la semence. Alors, il faut savoir quand même que les pays comme la France, qui s'est abstenue, hein, faut savoir aussi une chose, c'est qu'à travers le monde, hein, sur les 7 milliards d'habitants qu'on est sur cette planète, on a 1,3 milliard de paysans actifs. Je ne sais pas si vous savez combien il y a de paysans qui sont motorisés. Sur ce 1,3 milliard de paysans actifs, combien il y en a qui sont motorisés? Eh bien, figurez-vous qu'il n'y en a que 2%. Alors nous, en France, on a l'impression que tout le monde est motorisé. Hein, tout le monde a un tracteur, au moins un motoculteur pour les maraîchers. Hein, mais voilà, tout le monde est motorisé. Eh bien, il n'y a que 2%. 28 millions de paysans à travers le monde sont motorisés. Il y en a 300 millions qui ont une traction animale et il y en a 1 milliard qui travaillent à la main avec des bêches et des machettes. Là, faut bien. Donc, quand on parle d'agriculture chimique et industrielle, parce que moi, je ne parle pas d'agriculture conventionnelle, comme notre ami qui est intervenu hier. Moi, je parle d'agriculture chimique et industrielle, parce que c'est plus clair. Hein. Et puis, je me dis que le mot conventionnel, quelque part, il nous a été volé. Il nous a été volé parce que ce qui est conventionnel fait depuis des millénaires. Ben oui, c'est ça l'agriculture conventionnelle. C'est pas cette agriculture chimique et industrielle, hein. Même si on peut comprendre que le fait que le mot conventionnel, il a été, il est bien pratique. Voilà. Et tout le monde comprend. Donc ça, c'est une chose quand on a tracé ce tableau, hein, qu'on voit que on a énormément, et cette agriculture paysanne, qui ne représente certes pas beaucoup de surface, elle ne représente que 25% de la surface mondiale agricole, où il y a 1,3 milliard de paysans sur 25% de la surface agricole mondiale. Parce que l'agriculture chimique industrielle représente 75% de la surface agricole mondiale. C'est complètement l'inverse, hein, puisque c'est les grandes fermes qui prennent toute la place, hein, qui font cette agriculture chimique et industrielle, mais c'est pas la masse des paysans. C'est pas la masse des paysans. Avec 75% de la surface mondiale, et 2% des paysans, ils ne nourrissent que 25% de la population mondiale. 75% de la population mondiale est nourrie avec les 25% de l'agriculture paysanne. Donc, quand il y en a qui nous disent, oui, mais vous, avec les bio, hein, les bio, vous n'êtes pas prêts de pouvoir nourrir l'humanité, aujourd'hui déjà, ce n'est pas l'agriculture chimique et industrielle qui nourrit l'humanité. C'est cette agriculture paysanne, agroécologique, qui nourrit l'humanité. Hein, ça faut bien se mettre ça dans la tête. Ce n'est pas l'agriculture chimique et industrielle. Et oui, c'est en étant dans tout ça, avec toutes ces convictions qu'on avait, qu'on a avancé dans l'écriture de la Déclaration des droits des paysans. Hein. C'est tout ça qui nous a motivés, parce qu'on était motivés pour pouvoir faire avancer les choses. Et puis, faut savoir une chose, pourquoi les États-Unis ont voté contre cette Déclaration des droits des paysans? Eh bien, encore une fois, le droit à la semence, mais pas que. Hein. Déjà, ils avaient refusé la déclaration des peuples autochtones. Mais la France l'a votée, mais avec énormément de difficultés, parce que les peuples autochtones, notamment de Nouvelle-Calédonie, eh bien, à l'époque, ils ne voulaient pas trop en entendre parler. Hein. Donc, et alors, les États-Unis ont voté contre. Pourquoi ils ont voté contre? Parce qu'ils ont le grand semencier qui était Monsanto. Monsanto,
représentait, là, il y a quelques années, je n'ai pas les derniers chiffres, mais il y a quelques années, représentait 12 milliards. Le secteur semences représentait 12 milliards de dollars par an de ventes et il détenait 27% des parts de semences du marché. C'est le plus gros. Alors aujourd'hui c'est Bayer. Bayer représente, par rapport aux semences, qui est allemand, ne représente que 3% du marché mondial des semences. Mais maintenant, Bayer-Monsanto, ça représente 30% du marché mondial des semences. C'est énorme. Hein. Le deuxième, c'était DuPont Pionnière, qui est canadien. Fait 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur les semences. C'est 17% du marché mondial des semences. Le cinquième, c'est Syngenta Suisse, 9% du marché mondial des semences. Mais la Suisse a voté pour la déclaration des droits des paysans. Pourquoi la Suisse a voté pour? Tout simplement parce que la Suisse est un vrai pays démocratique par rapport à la France. Tout simplement parce qu'ils ont le droit de votation. Et il y a les paysans, quand ils ont su que la Suisse, ben ils étaient un peu contre et tout ça, ils ont dit pas de souci, on va faire on va demander une votation sur la déclaration des droits des paysans. Et de toute façon, ils savaient le gouvernement savait qu'ils allaient perdre. Donc finalement, ben ils ont fait marche arrière et ils ont voté sans passer par la votation, ils ont voté la déclaration du droit des paysans. Hein. Toi, ce que réclamaient les Gilets jaunes avec le RIC, hein, le référendum d'initiative citoyen, eh bien c'est ce que vive un peu la Suisse. Et ça, ça a été bénéfique dans ce sens-là, parce que enfin les citoyens peuvent s'exprimer quoi sur des sujets comme ceux-là. Le quatrième mastodonte au niveau des semences, eh bien figurez-vous qu'il est français. C'est l'Imagrin. L'Imagrin qui représente 5% du marché mondial des semences. Et on comprend aujourd'hui pourquoi le gouvernement français ne peut pas entendre parler de droit aux semences, qui a le catalogue des semences qui a été créé. Le catalogue des semences a été créé en 1943, hein, c'était sous Vichy hein, qu'il a été créé, ce catalogue des semences. Mais ils se sont bien gardés de ne pas y abroger après la guerre. Hein. Au contraire, ils l'ont renforcé. Ils en ont fait un catalogue européen, c'est-à-dire que ce catalogue qui était d'abord français a été repris par l'ensemble de l'Union européenne. Vraiment, ce catalogue aujourd'hui, c'est la pierre d'achoppement, quoi, parce que on se retrouve en inégalité. Alors la France sur les semences a toujours été le plus dur de tous les pays européens et voire mondiaux. C'est la France qui a créé le catalogue en 1943. C'est la France en 1962 qui a interdit le triage à façon. C'est-à-dire que pour trier son blé, pour mettre que les bons grains, enlever les mauvais grains, hein, pour faire de l'amélioration, hein, et il faut quand même choisir ses graines. Et pour trier des graines de blé, on ne peut pas y faire à la main. Ce n'est pas possible, c'est trop petit, c'est trop... Hein. Donc, il existe des trieurs. Hein. C'est un appareil. Eh bien, la France a interdit les trieurs à façon. C'est-à-dire, on pouvait avoir un trieur individuel, mais on n'avait pas le droit d'avoir un trieur en CUMA ou prendre une entreprise pour trier son blé. Dès 1962. Hein. Et puis l'apothéose, c'est fin des années 90, où ils voyaient quand même que les paysans continuaient à s'échanger, à se donner des semences entre eux et à reproduire leur blé, leur orge, tout ça, à partir de leurs propres semences. Et ça, c'est bien sûr, les semenciers ne pouvaient plus vous en vendre, donc c'était intolérable, ça. Hein, c'était insupportable.
Donc, eh bien, ils ont mis en place la taxe, la contribution volontaire obligatoire. Hein, la CVO, contribution volontaire obligatoire, c'est une taxe. C'est complètement aberrant, hein, parce que volontaire obligatoire, vous voyez un petit peu le truc, hein, eh bien, tout simplement, comment ils sont arrivés à faire ça? Parce que les paysans, on les a démunis du fait que ce n'est plus eux qui font leurs factures. Toi, quand tu vas acheter une voiture, le vendeur, il te donne la clé et il te donne la voiture, mais c'est lui qui a fixé le prix, hein, et toi, tu fais le chèque, tu n'as rien à dire, tu fais le chèque, tu peux discuter un petit coup, mais voilà. Mais c'est lui qui a fait la facture. Moi, quand je vends mon lait ou mon blé, c'est pas moi qui fais la facture. Non, non. C'est celui qui achète qui fait la facture à ma place. Et ça, vous pouvez regarder auprès de tous les paysans, mis à part ceux qui vendent au marché, c'est pas eux qui font la facture. Dès que tu vends à une coopérative ton lait ou tes céréales, c'est eux qui font la facture à ta place. Et ça leur a été très facile de rajouter une ligne en bord, en déduction, contribution volontaire obligatoire, CVO, qui vient en déduction de ce que tu vends. Cette contribution volontaire obligatoire, elle t'est ristournée en partie au moment où tu achètes les semences. Du coup, les paysans, ça leur coûte moins cher d'acheter les semences toutes calibrées et toutes traitées gaucho, hein, gaucho, tueur d'abeilles, entre guillemets. Hein, tu achètes ça, c'est tout prêt, tu n'as plus qu'à y mettre dans le semoir. Alors que si tu y fais toi-même, eh bien ça te coûte de l'argent, ça te coûte. Mais là, tu as payé à l'avance, tu as payé au moment où tu vendais tes céréales par l'intermédiaire de la taxe, et de cette façon-là, ben, les paysans se sont retrouvés piégés. Hein. Et aujourd'hui, ben, il faut être courageux pour continuer. J'ai vu qu'il y avait, des paysans qui font des semences paysannes et qui ressèment leurs propres semences, eh bien, ça leur coûte plus cher que s'ils achetaient des semences faites par l'industrie. Hein, vous voyez, un petit peu. Mais il n'y a qu'en France que ce système a été mis en place. Hein. Pourtant, on est en Europe, ça devrait être au moins sur l'ensemble de l'Europe. Bien non, non, non. La France a mis cette taxe, enfin, ils n'aiment pas que j'appelle taxe, hein, cette contribution volontaire obligatoire. Hein. Donc voilà, hein, où on en est au niveau des semences, ça fait vraiment partie des choses. Voilà. Et aujourd'hui, les semences paysannes à travers le monde, eh bien, c'est vrai que c'est Kissinger, hein, qui disait, de toute façon, si on veut maîtriser, dominer le monde, il faut qu'on le domine par les semences. Parce que on crée la faim, et par la faim, les gens, après, ils viennent manger dans votre main, hein, quand on leur apporte à manger. Donc, on élimine les guerres, et on fait des pays ce qu'on en veut. Eh bien, c'est exactement ce qu'ils sont, avec la mondialisation, c'est exactement ce qu'ils sont arrivés à faire. Alors, moi, cette déclaration des droits des paysans, là, je vous ai parlé de l'article 19 sur les semences, mais on pourrait parler du droit à la terre. Hein. Ce droit à la terre, aujourd'hui, est complètement bafoué. Ça ne remonte pas beaucoup de siècles en arrière. Le droit de propriété tel qu'on le connaît aujourd'hui, la France, l'Europe, les États-Unis, il y a depuis longtemps, ils ont un cadastre, mais le cadastre remonte quand même, remonte qu'à Napoléon, ça ne remonte pas, hein, ça fait un peu plus de 200 ans, hein, c'est pas énorme, hein, sur l'échelle du temps de l'agriculture. Les agriculteurs, eh bien, ils avaient une parcelle de terrain où ils avaient pour travailler la terre. Ce n'était pas le droit de propriété. Quand ils arrivaient à la fin, après, c'était les jeunes qui reprenaient la place de l'ancien et ainsi de suite. En Afrique, eh bien, le conseil communal
Hein, ils se réunissaient l'arbre à palabre, sous l'arbre, et puis quand il y en a un vieux qui arrivait, qu'il fallait qu'il arrête de travailler ou qu'il ne pouvait plus travailler sa terre, eh bien, sous l'arbre, ben, ils décidaient collectivement qui c'est qui allait reprendre qui allait cultiver la terre à leur place, à la place du vieux. Voilà, c'était, hein, ce droit à la terre était naturellement transmissible, ainsi de suite, de génération en génération. Eh bien, avec le droit de propriété, aujourd'hui, on n'en est pas là. Et en Afrique, où il y a encore pas de cadastre, hein, j'ai eu l'occasion d'aller faire des conférences au Togo, ils n'ont encore pas de cadastre, mais ils voient arriver des transnationales qui viennent, et notamment de Chine en particulier, mais aussi de France, hein, parce que, alors, c'est pas. La France, c'est pas la France en tant que telle qui achète du terrain, qui achète du terrain dans ces pays-là, mais c'est des industriels français, hein, Bolloré, pour pas le citer, hein, il vient d'acheter 40 000 hectares au Cameroun, le Cameroun étant le château d'eau de l'Afrique, hein, puisque tous les grands fleuves d'Afrique, le Nil, le Zaïre, le Congo, tout ça, ça prend tout sa source, parce qu'il pleut plus de 200 mm d'eau par an, enfin 2 mètres d'eau par an, c'est énorme. Voilà, c'est le château d'eau de l'Afrique. Eh bien, Bolloré a acheté 40 000 hectares pour en faire des palmiers à huile. Donc les paysans se retrouvent qui cultivaient leur terre à faire des cultures vivrières, eh bien se retrouvent à la porte de leur propre terre. Ils deviennent saisonniers dans les palmiers à huile quand on veut bien les payer. Et voilà. Et tout simplement, Bolloré, eh bien, il a payé ses hectares avec des armes françaises. Vendu aux dirigeants, enfin au gouvernement togolais, de cette façon-là. Et en compensation, ben, il a récupéré du terrain. Je ne parle pas de Dreyfus. Alors lui, il est plutôt suisse, mais il était président de l'Olympique marseillais à un moment donné. Hein. Alors lui c'était. Plus d'un million d'hectares en Argentine, hein, pour faire du soja. Voilà, on a des exemples comme ça. Alors c'est vrai qu'à Madagascar, par exemple, ben, c'est plus la Chine qui va en acheter, hein. Alors en France, la Chine a acheté 1 000 hectares, tout de suite on saute on dit c'est insupportable, quoi, quelque part. Et c'est insupportable, parce que quelque part, c'est des paysans en moins en France. Hein? Mais cet accaparement des terres, eh bien, il est fait par ces pays ou ces transnationales. Hein? Volkswagen a 150 000 hectares au Brésil pour faire de l'éthanol. Hein? Voilà. Hein? Ils font de l'éthanol à partir de la canne à sucre. Voilà, oui, c'est Volkswagen, vous voyez, c'est la société. Hein, vous voyez, l'accaparement des terres, et c'est pour ça, nous, que dans cette déclaration des paysans et des paysannes, bien sûr, eh bien, on réclame le droit à la terre. Hein, le droit à la terre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune, on lui donne, on lui prête, après la solution. Eh bien, quelque part, on s'en fout, hein. Il a sa terre quand il s'installe, et quand il arrive à la retraite, eh bien, il laisse la place à un jeune, que ce soit un jeune de sa génération, un jeune de sa famille ou non, peu importe. L'important, c'est que sa terre et que sa ferme continuent de prospérer. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on veut. Voilà. Alors, vous avez parlé les jours précédents de la PAC, hein, qui est vraiment pas
ce qu'elle devrait être. Je ne vais pas y revenir dessus, hein, mais c'est vrai qu'il y a toutes les politiques agricoles qui sont mises en place et qui ne vont pas dans le bon sens. Je sais pas, tu peux peut-être intervenir si tu veux, hein, parce que je suis peut-être, ou vous avez peut-être des questions à me poser. Hein, je peux, parce que moi, je vais continuer, hein, il n'y a pas de souci, je vais continuer toute non, mais la soirée. Certainement, alors c'est très intéressant tout ce que tu nous racontes là, c'est bien. Et il y a une question qui est arrivée. Il y a quelqu'un, c'est un anonyme qui demande si le droit à la semence existe quand même dans d'autres pays, ce qui permettrait de convaincre nos dirigeants. Tu peux répondre peut-être? Alors, oui, il existe le droit à la semence. Ben, disons, grosso modo, il y a beaucoup, beaucoup de pays où le droit à la semence, il existe. Hein? Malgré tout, avec la mondialisation et, notamment en Inde, le droit à la semence, il existe. Mais la mondialisation fait que arrivent les semences OGM, les semences qui sont avec les F1. Alors c'est vrai que dans un premier temps, des fois pour les paysans, c'est un peu séducteur parce que on leur vend un rêve en même temps que leur vend la, en leur vendant la semence. On leur vend un rêve en leur disant vous allez faire des rendements nettement supérieurs, vous n'aurez plus besoin de traiter s'ils font du maïs, la pyrale du maïs avec le maïs OGM, ou vous pourrez ou sur du coton, vous aurez plus besoin de, sur l'araignée rouge du coton, vous aurez plus besoin de traiter parce que la plante OGM résiste. Hein, on leur parle de résistance à des ravageurs ou à des maladies. Alors c'est faux en même temps, c'est complètement faux, puisque moi je prends l'exemple du maïs OGM qui est officiellement fait pour résister à la pyrale du maïs, hein. Mais la pyrale du maïs est un vrai ravageur, hein. Donc si vous laissez proliférer les pyrales, c'est vrai que votre maïs il est bouffé, il est cassé, il est, hein, il est pas bon, hein. Mais on a d'autres solutions. C'est le maïs lui-même qui produit son insecticide, alors vous ne passez plus de produits, ok, mais comme c'est le maïs lui-même qui produit son insecticide, comme une vipère produit son venin, hein, eh bien, quand vous coupez votre maïs, que vous le donnez à manger à vos vaches, vos cochons ou vos poulets, eh bien, ils mangent cet insecticide-là qui est produit par le maïs. Moi, je ne suis pas scientifique, hein, mais quand même, donner de l'insecticide à manger à mes poulets ou à mes moutons ou à mes vaches, quelque part, éthiquement parlant, moi, ça me pose question, hein, sans être scientifique. Hein. Mais c'est vrai que, quelque part, on leur vend un rêve, hein, que ça va être mieux et qu'on va améliorer les rendements. C'est vrai qu'avec l'hybridation du maïs, avoir des maïs hybrides, eh bien, c'est en général ces variétés récentes, nouvelles, qui ont été faites par les transnationales, ont un potentiel supérieur parce que la recherche a toujours été dans l'hybridation. Et quand vous replantez un hybride vous-même, eh bien, ça se dégénère. On ne peut pas replanter un hybride, hein, ce n'est pas possible. Hein. Donc, il faut des lignées directes. Si il y avait eu autant de recherches, autant de travail de fait sur les lignées directes, eh bien, aujourd'hui, on aurait les rendements identiques avec des, avec des lignées directes qu'avec des hybrides OGM. On aurait exactement pareil. Hein? Donc, oui. Alors, en plus de ça, il existe un mouvement international qui est très, très intéressant au niveau des semences. C'est les femmes semencières, hein, l'association Les Femmes Semencières. On a la chance en France d'avoir la présidente des femmes au niveau international qui est française, hein, elle habite à Romarin dans le Vaucluse, Claire Chanu. J'ai eu plusieurs fois l'occasion d'intervenir avec elle. Et elles font un boulot extraordinaire, ces femmes au niveau des semences. Vous avez notamment en Inde avec Vandana Shiva qui font un travail sur les semences assez extraordinaire.
justement pour reproduire ces semences paysannes, se les échanger, se les transmettre. Justement, moi, Gérard, par rapport à l'Inde, il y a une question, là. Il y a Valérie qui nous dit, on n'entend plus parler de la révolte des paysans en Inde. Est-ce que tu peux, t'entends parler, toi? Alors, la révolte des paysans en Inde, eh bien, elle a été arrêtée avec le Covid. C'est vrai que le Covid a fait que ça a arrêté. Il y a eu une marche, parce qu'ils marchent beaucoup, les Indiens, quand ils ont la revendication, hein, ils sont sous le modèle de la non-violence de Gandhi, et ils marchent, ils font des marches à travers l'Inde, ils se retrouvent 250 000 marcheurs indiens, et il y a eu une marche qui a été arrêtée en 2020, là, au mois de mars 2020, qui était partie de New Delhi, et qui devait arriver le 20 septembre, non, le 1er septembre, le 2 octobre 2019, et il devait arriver le 26 octobre, 25 septembre 2020 à Genève. Là, on était prêt à les accueillir, hein, une marche qui durait un an, cette marche Jajagat. Alors Jajagat en hindi, ça veut dire la victoire du monde, hein, c'est super beau, quoi. Et du coup, comme ils ont été arrêtés par le Covid en Arménie, hein, ils étaient déjà arrivés jusqu'en Arménie, ils ont été arrêtés à ce moment-là, au mois de mars, et nous au mois de septembre, eh bien, on s'est dit, on devait accueillir les copains d'Inde et puis d'autres pays qui s'étaient joints à cette marche. Il y avait même 5 Français qui faisaient cette marche. Et du coup, on est parti de Lyon sur 14 jours. Et on a fait Lyon-Genève à pied sur 14 jours, symboliquement pour arriver le jour où ils auraient dû arriver, hein. Et être présent devant le Palais des Nations, et on s'est retrouvé à peu près 300-400 personnes devant le Palais des Nations le jour où cette grande marche indienne aurait dû arriver, hein. Donc allez voir sur internet, vous regardez Jajagat, hein, et puis vous en saurez beaucoup plus. Voilà, la révolte des Indiens, mais sous la forme de Gandhi, c'est-à-dire une forme non violente qui est toujours intéressante. Voilà, donc moi j'ai participé à cette marche Lyon-Genève. Voilà, et puis il y avait après à Genève, il y a eu plein de festivités qu'on a fait. Alors, c'était pas grandiose, comme la presse internationale n'était pas présente, puisque comme elle aurait dû être présente si la marche avait eu lieu sur l'intégralité du parcours. Voilà, ça a été. Alors, on espère bien que soit elle va pouvoir repartir d'Arménie pour finir, soit en 2021, mais maintenant j'y crois plus, mais en 2022, quoi, parce qu'à un moment donné, il faudra bien la finir, cette marche. voilà. Et les paysans indiens sont toujours très en avant sur tout ce qui est comme ça, voilà. Et Gérard, le temps passe, il faudrait peut-être revenir à notre sujet, c'est passionnant tout ce que tu nous racontes, mais peut-être voir un peu les autres articles qui sont dans la déclaration du droit des paysans, et puis nous dire comment on peut se la procurer peut-être aussi. Alors, pour vous la procurer, eh bien, je vais vous passer un lien que vous pourrez mettre dans le chat, par exemple. Donc, mes documents. Écoute, on le rajoutera, on va le rajouter, on fera ça hors antenne. Oui, oui. Je veux dire. Il y a encore une question qui arrive là. Oui. Oui. Dans cette déclaration,
On a le droit à aux ressources naturelles, le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité des personnes, bien sûr, le droit à de la circulation, parce qu'il y a des pays, les paysans n'ont pas le droit de circulation comme ils veulent. On a la liberté de pensée, d'opinion et d'expression, la liberté d'association, le droit à la participation aux instances, dans toutes les instances. Le droit à l'information concernant la production et la commercialisation et la distribution de nos propres produits. On a un droit à l'accès à la justice. Pour beaucoup de paysans à travers le monde, ils n'ont même pas accès à la justice. Donc voilà, suivant où on est situé à travers le monde, on a voulu vraiment, autant en France... je pense que les paysans, globalement, ils ont accès à la justice aussi bien que tout citoyen. Ils peuvent se défendre, ils ont des avocats éventuellement commis d'office. Il y a une possibilité de se défendre, même si les plus pauvres ont plus de difficultés que les plus riches. C'est qui disait que vous soyez riche ou misérable le droit au travail, le droit à la sécurité et à la santé au travail. Et ça, quand vous voyez travailler des travailleurs ruraux dans les grandes fermes chimiques et industrielles, vous avez en Espagne, par exemple, pour ne pas aller bien loin, vous avez en Espagne, dans le sud de l'Espagne, des travailleurs étrangers qui viennent dans les serres, on leur pique leur passeport et ils travaillent comme des esclaves dans ces essayer d'aller avec une caméra dans les vous pourrez jamais rentrer dans les serres. C'est pas possible. Donc voilà, droit à une alimentation suffisante, je le disais au début, 80% de ceux qui sont mal nourris sont des paysans. Droit à des revenus de subsistance décents, droit à la terre, j'en ai déjà parlé, droit à un environnement sûr et propre et sain. Droit à la biodiversité biologique, droit à l'eau et à l'assainissement, droit à la sécurité sociale. Parce que c'est des droits qui ne sont pas, à travers le monde, qui ne sont pas acquis, qui ne sont pas acquis de partout. Le droit de jouir d'un meilleur état de santé physique et mentale. Droit à un logement convenable. Pour les paysans, le droit au logement, vous voyez, ça fait partie. Ce qui est aussi un droit très important, c'est un droit culturel. Que toute leur culture, tous les paysans à travers le monde, on puisse respecter leurs propres coutumes et savoirs traditionnels. Et ça, pour moi, ça fait partie des choses qu'avec la mondialisation, on est en train de tout éteindre. Si j'ai écrit un livre que j'appelle « Le berger des mésanges bleus », c'est parce que j'ai eu la chance. J'ai eu la chance de retrouver dans le grenier de mon grand-père maternel un livre qui s'appelait « Les oiseaux entomophages » où j'ai appris que mon grand-père maternel, qui avait des cerisiers, il avait plus de 1000 arbres fruitiers, notamment des cerisiers, il luttait contre l'altise du cerisier. L'altise, c'est un petit insecte qui mange les feuilles des cerisiers. Il luttait contre l'altise des cerisiers avec des mésanges bleus. Moi, j'avais des altises sur mon colza, je me suis dit, et partir de ce livre, et j'ai retrouvé des savoir-faire que les paysans, même de ma génération, avec plus de 60 ans, voire 70 ans de cette agriculture chimique et industrielle, on a perdu des savoir-faire. Les savoir-faire qui sont à travers le monde, il faut impérativement les garder. Tout à l'heure, je vous parlais que j'étais allé au Togo. Là-bas, j'ai rencontré des paysans savants. J'étais allé pour leur faire des conférences. Et à la limite, c'est moi qui suis revenu grandi de ce voyage parce que j'ai rencontré des paysans qui, sans le savoir, faisaient de l'agroécologie et faisaient de l'agroforesterie. Ils ont un arbre de la famille des acacias qui descend ses racines à plus de 25 mètres de profond. Il va jusque dans la nappe phréatique. Et c'est un arbre
qui prend ses feuilles uniquement en saison sèche, et c'est un arbre qui pleure. Et dessous les arbres, ils faisaient des aubergines, des tomates, des concombres, sans arroser, au Togo, hein, sans arroser. C'est l'arbre qui faisait la pompe. À la fin de la saison humide, eh bien, à la fin de la saison sèche, cet arbre perd ses feuilles, il vient enrichir le sol, et l'eau qui tombe du ciel n'est plus arrêtée par les feuilles de l'arbre, et ils font une deuxième récolte. Si ça, ce n'est pas des paysans savants, eh bien, il va falloir qu'on m'explique quand même, hein. Et ça, sans chimie, sans rien du tout, hein. Alors c'est vrai que les transnationales au Togo sont en train d'arriver. Oh, ils sont malins. Vous savez, ils sont très malins. Ils leur offrent des tracteurs d'occasion. Oui, pas neufs quand même. Ils leur offrent gratuitement. On vous donne un tracteur à une condition, que vous achetiez des semences et de l'engrais. Et le tour est joué. Et les paysans, tellement contents d'avoir un tracteur, parce que entre le moment où tu travailles à la main et puis qu'on te donne un outil qui te permet de te soulager ta besogne, quoi, au niveau pénibilité, hein, et ben le paysan, il est attiré par le tracteur. Hein. C'est comme nous, dans les années 50, où avec le plan Marshall et les tracteurs, les McCormick, les Massey Ferguson, les John Deere, hein, qui sont arrivés d'Amérique, hein, ils ont transformé les usines d'armement, ils les ont transformées en usines de matériel agricole, et ça nous est arrivé par le plan Marshall. Mon père, en 1954, a acheté son premier tracteur en vendant sa paire de bœufs, en vendant sa paire de bœufs. Donc deux bœufs a payé le tracteur. Aujourd'hui, tu vends deux bœufs, ça te paye à peu près le volant. Hein? On en est loin, quoi. Et cette déclaration, maintenant, il faut qu'on la fasse vivre. Hein, en conclusion, là maintenant que je crois qu'on va arriver au bout, en conclusion, j'ai envie de dire, cette déclaration, eh bien, prenez-la, travaillez-la et faites-la vivre. Faites-la vivre, travaillez-la en petits groupes. Moi, j'ai fait un petit document pour aider à la travailler que je peux vous faire passer si vous si vous me le demandez. Voilà, vous pouvez. J'ai fait des petits documents pour que ça soit plus lisible. Hein, une grille de présentation et de lecture, parce que ça soit un petit peu plus facile à faire. Donc voilà, parce que la Déclaration des droits des paysans, vous voyez, c'est tout ça. Bien sûr, on a le livre, hein, elle est dans le livre, mais c'est tout ça. Déjà ça, si vous m'envoyez un mail, je peux vous l'envoyer, mais je vous ferai parvenir le lien. Il y a une autre question. Il y a quelqu'un qui demande à quoi sert cette convention si aucun pays ne les applique. Mais ce n'est pas une convention, justement. Il faudrait peut-être que tu parles de la différence entre une déclaration et une convention. Oui, c'est comme au départ, ça a été la Déclaration des droits de l'enfant qui est devenue une Convention des droits de l'enfant. Alors, une déclaration et une convention, la différence, c'est qu'il y en a une qui est contraignante. La convention, c'est contraignant. Hein, pour les peuples, pour les pays qui la signent, c'est contraignant. Une déclaration n'est pas contraignante. Hein. Il n'empêche que quand même, et c'est pour ça que je l'ai fait parvenir à l'avocat de Cocopelli, à l'avocate de Cocopelli, cette déclaration, parce que je ne vois pas comment un juge va condamner des paysans qui vont s'échanger des semences entre eux, ou qui vont se vendre des semences entre eux, la France n'a pas voté, ok. Mais ce qu'on n'a pas eu par la loi, il faut qu'on l'arrache par la jurisprudence. C'est-à-dire qu'il faut aller en procès. Hein, si on est attaqué, il faut aller au procès, il faut y aller, il faut y aller avec cette déclaration. Il faut que l'avocat l'ait dans les mains en disant, et je ne vois pas comment un juge va pouvoir condamner un paysan qui va s'échanger, se vendre des semences. Dans la mesure où il y a l'article 19 sur le droit à la semence. Oui, et là, c'est pour ça, c'est important que les gens le sachent, parce que comme par hasard, vous en aviez jamais entendu parler de cette déclaration des droits des paysans. Cette déclaration des droits des paysans est passée au niveau de la presse française complètement inaperçue. Alors qu'en Amérique latine, en Afrique, en Indonésie, eh bien, ça a fait les gros titres des journaux.
cette déclaration des droits des paysans. Et en France et en Europe, pratiquement pas entendu parler. Un petit peu plus en Europe qu'en France. Mais en France, pas du tout. Alors c'est vrai que le 17 décembre, c'était la veille du 18 décembre, et le 18 décembre 2018, c'était les Gilets jaunes, le gros jour des Gilets jaunes, là l'Arc de Triomphe a été cassé, et que les journalistes, on parlait des Gilets jaunes, et n'ont pas parlé du tout de cette déclaration des droits des paysans. Hein? Alors, c'est nous maintenant à faire le boulot, à la faire connaître, et c'est à chacun de vous, tous les participants qui m'écoutez, de vous dire, c'est comment je vais pouvoir faire revivre cette déclaration, c'est comment on va interpeller notre député, c'est comment on va interpeller notre sénateur. Comment notre sénateur ou notre député va écrire une lettre au ministre pour que ça bouge au niveau français. Vous voyez, c'est tout ça qui est à mettre en place, qu'il faut pas. Voilà, il faut surtout pas baisser les bras maintenant. Maintenant, on l'a arraché. C'est vrai que si on reste sans rien faire, eh bien, c'est foutu, quoi. Quelque part, c'est du travail qui a été. Et pour une fois, qu'une déclaration a été menée par des citoyens, parce que toutes les déclarations qui avaient eu lieu auparavant, ou les conventions qui ont eu lieu au niveau international, ça a toujours été à l'origine d'un pays. Hein, c'est les pays qui mettent en place la déclaration des droits de l'enfance, là, après la convention des droits de l'enfance, c'est les pays qui ont mené le combat. Là, pour la première fois, ça a été des paysans qui se sont battus, hein, jusque dans cette instance-là, pour arriver à faire aboutir. Alors c'est vrai que quand on prenait la parole, et moi quand je prenais la parole à l'ONU, je représentais les 50 millions de paysans de la FIMARC, c'est quand même pas beaucoup d'associations qui peuvent se revendiquer de 50 millions d'adhérents, et puis on parlait aussi au nom de Via Campesina, Via Campesina c'est 250 millions d'adhérents, hein. Donc, ça faisait pratiquement. Alors, il y a des doublons, hein, je suis d'accord, hein, entre la FIMARC et la Via Campesina. Hein. Mais pratiquement 300 millions de paysans étaient derrière cette déclaration, sont derrière cette déclaration. Ce qui est énorme. Hein, ce qui est énorme. Mais ça serait dommage que nous, dans nos pays industrialisés, eh bien, cette déclaration passe comme une lettre, comme une lettre morte, quoi. Hein, oui, c'est bien pour ça, Gérard, qu'on a un peu insisté pour que tu t'interviennes sur le sujet, parce que on n'en parle pas assez, justement. On n'en parle pas assez. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est à se prendre. Vraiment, moi j'y tiens, j'insiste. Se prendre vraiment en se disant ben c'est une déclaration qu'on peut faire avancer, on a à la faire avancer, chacun à son niveau, chacun déjà la faire connaître, parce que le fait de la faire connaître, hein, moi des fois j'ai des députés en face de moi dans des fois des interventions, ben ils savent même pas, hein, même des députés qui sont à la majorité, ils ne savent même pas qu'elle existe, hein. Et ils ne savent même pas que leur propre gouvernement s'est abstenu sur une déclaration. Et des fois, ils en sont outrés. Hein. Moi, j'ai en Haute-Savoie, j'avais une députée En Marche. Hein, elle était outrée de savoir que la France n'avait pas voté cette déclaration, quoi. Donc voilà, hein, pour moi, c'est vraiment c'est le travail qui est à mener maintenant. Ouais, on va le faire, hein, on va le faire. On a donc l'idéal, eh ben, c'est de l'apprendre, de la travailler en petit groupe, parce que en disant ben dans mon département, dans ma région, ben il faut faire avancer plus tel article que tel article, hein, parce qu'il y a des articles, ben, c'est vrai, même pour la France, il y a des articles, ben chez nous on n'a pas la faire, quoi. Disons qu'on y a déjà. Hein? Mais là où on n'y a pas, les choses où on n'y a pas, et je crois qu'en France, c'est vraiment le droit à la semence, puisque comme je vous ai expliqué, sur le droit à la semence, c'est le pays qui a été le pire de tous les pays du monde, hein, sur ce sujet-là. Donc il faut absolument qu'on avance,
sur ce sujet-là. Oui, ben nous, on avait prévu pas mal de sujets sur l'e-sport, justement. Il y avait plusieurs expos, plusieurs conférences sur le sujet qui étaient prévues, mais ça sera que partie remise, de toute façon. Voilà. Ah. Et puis, c'est vrai que je préférerais être en présentiel qu'en distanciel, ah, bien mais sûr. Ça, c'est une autre histoire. Donc, ben je vais te remercier, Gérard. Hein. Et ce qu'il faut donc conseiller à tout le monde, c'est de se reporter à notre site de Relanges ou sur la page Facebook où il y aura les liens pour pouvoir accéder à la déclaration. Voilà. Hein, je vais vous l'envoyer, il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis un peu paumé dans tous mes. Voilà, je l'ai ici. Elle va s'afficher. Alors maintenant, il ne faut pas que je fasse comme ça. Mais vous l'aurez. Si, tac. Voilà, ça y est. Mais des fois, je me rappelle pas où c'est que j'y mets sur mon ordinateur. C'est des fois un peu compliqué. Hein, mais j'y ai, j'y ai. Pas Gérard, ça peut attendre quelques minutes. Même si c'est demain, c'est pas grave. Voilà, les gens savent que c'est accessible. Copier. Je vous l'envoie, saisir le message, coller, envoyer, tac. Eh bien, vous l'avez reçu, ça y est. Hein, vous pouvez mettre à tout le monde. Moi, je ne sais pas le mettre à tout le monde. Je vous voilà, ai mis on va le faire, ne t'inquiète pas. Et là, de toute façon, toute la visioconférence, comme toutes les autres, sera disponible en replay. Hein. D'accord. Parce que j'en nous le demande. C'est bien, je vois que tu intéresses l'auditeur. Voilà. Et bon, il n'y a pas peut... eu un monde fou, mais quand même, il y a eu du monde. Donc, Et pour conclure, Gérard, moi, j'aimerais dire qu'on serait ravis quand même, je crois que toute l'équipe de Relanges serait ravie que tu puisses venir en présentiel. Si l'occasion se présente, et elle devrait se présenter, il n'y a pas de raison. On en a la volonté, en tout cas, donc... Alors, faut savoir aussi, j'ai parlé au début de l'intervention, mais on a fait aussi avec mon association Réseau GM Info, on a fait aussi des films. Hein, j'ai Semences du futur, le film Semences du futur, où on montre quels sont, voilà. Donc, je peux aller intervenir dans les différents lieux de France et de Navarre. Avec ce film, on fait un cinéma-débat, c'est-à-dire, voilà, je vous parlerai, il y aura le film, et après, ben, je peux parler de la déclaration, mais je peux parler aussi de plein d'autres choses. On a fait aussi le film Secret des champs, hein, Secret des champs, c'est un film qui montre comment la plante est belle, comment la plante, il y a 450 millions d'années, a colonisé la surface de la Terre, et elle n'a pas eu besoin de la main de l'homme, ni de la chimie, hein. Et puis, le premier film qu'on avait fait, c'était « Cultivons la terre pour une agriculture durable, innovante et sans OGM ». Et là, vous auriez la chance, si vous voyez le film, vous auriez la chance de me voir à l'intérieur du film. Voilà. Je ne sais pas si c'est une chance, mais bon. Et je suis en train de poser mes essaims de trichogramme pour lutter contre la pyrale du maïs. Voilà, donc ça c'est des choses. Bah, tiens, je vous mettrai aussi un lien. Je vous mettrai aussi un lien pour pouvoir voir les bandes annonces de ces films. Voilà. Ouais, c'est passionnant tout ça, Gérard. Eh bien, on te remercie en tout cas. L'heure est arrivée de nous quitter. Oui. Et puis à bientôt certainement avec tous les sujets que tu développes. Moi, je t'ai déjà vu plusieurs fois en conférence. C'est vrai que c'est passionnant toujours. Eh bien. Merci à vous tous et un chapeau à votre équipe d'avoir fait, malgré toutes les difficultés qu'il y a, avoir fait 5 conférences à 5 jours d'intervalle. En 5 jours, super, là, vous avez fait un super boulot et je peux que vous remercier et vous féliciter. Merci, ben on se rôde, on espère faire encore mieux dans l'avenir. On espère ne pas avoir à le refaire dans l'avenir. Voilà. Allez, bonsoir Gérard et au revoir à tout le monde. Bonsoir, à bientôt. Au revoir.